Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour ceux qui étaient déjà avec nous ce matin. Soyez les bienvenus pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur les épaules des géants. C'est cette grande manifestation, deuxième édition. On avait déjà organisé ça l'an dernier ici au Havre dans le but de rencontrer les chercheurs, les scientifiques, les ingénieurs qui, dans leurs labos, font avancer la connaissance avec cette idée que l'on comprend le monde aujourd'hui avec toutes les connaissances accumulées par le passé. Cette idée que nous sommes sur les épaules des géants et que, juchés sur les épaules de nos prédécesseurs, nous voyons plus loin et nous apprenons toujours plus. Alors cette rencontre est émaillée de plein de petites séquences avec des tables rondes, avec des masterclass, avec des récréations scientifiques. Pour ceux qui auront l'occasion de revenir demain, avant qu'on accueille Étienne Klein, je vous donne quelques petits éléments du programme qui vous attend demain. Le matin, alors la première rencontre assez tôt, ce sera sur la vie de Marie Curie. Et puis un peu plus tard dans la matinée, un moment à ne pas louper sur scène, nous recevrons Thierry Marx, le chef étoilé, avec un scientifique, un chercheur qui s'appelle Raphaël Aumont et qui est physico-chimiste. Et les deux nous parleront cuisine. Il y aura là une table pour qu'ils puissent faire quelques petites démonstrations. Ils nous parleront cuisine à la fois avec le regard du cuisinier, du chef cuisinier et du scientifique. On discutera avec eux de ce qu'est la cuisine de demain, de ce qu'est de faire la cuisine pour les astronautes, ce qu'on envoie à bord de la Station Spatiale Internationale, et puis peut-être les nouvelles associations de saveurs que les scientifiques et les chimistes et les cuisiniers travaillent dans leur laboratoire. On aura aussi une rencontre l'après-midi demain avec deux spécialistes de Mars qui nous emmèneront sur la planète rouge pour nous raconter ce qui a déjà été fait, les missions d'exploration qui ont déjà pu être faites, et puis ce qui nous attend, c'est-à-dire un jour, est-ce qu'un homme ou une femme mettra le pied sur Mars? Est-ce que vraiment ça arrivera? Quand ça arrivera et qu'est-ce que ça implique? On parlera aussi de recherche de la vie sur Mars. Tout ça, ce sera demain après-midi. En fin de journée, pour vous donner encore un élément du programme, nous recevrons ici Claudie Aigneret, astronaute, première astronaute française, qui viendra nous raconter ses séjours dans l'espace. Tout ça sera à découvrir demain, ici, l'accès est libre et gratuit, et on espère vous y accueillir. Mais pour l'heure, nous allons recevoir un physicien qui est aussi philosophe, il s'appelle Étienne Klein, il va nous parler de l'atome tel que le perçoivent les physiciens, tel que l'ont découvert les physiciens aujourd'hui, et tel que l'ont envisagé les philosophes hier. Ils ne parlaient pas de la même chose, ces philosophes et ces physiciens, et pourtant, leurs travaux ont été féconds. Je vous demande d'accueillir Étienne Klein. Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez bien? Ouais. Je voulais d'abord vous dire que je suis ravi d'être ici. Je pense que ce festival, c'est exactement ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Une mise en situation où les scientifiques peuvent rencontrer des gens comme vous, expliquer ce qu'ils savent. Et vous pouvez leur demander comment ils ont su ce qu'ils savent. Et ce type de discussion me paraît aujourd'hui nécessaire. Et quand ça se passe dans un joli cadre comme la ville du Havre, c'est évidemment encore mieux. Alors moi, je vais vous parler de l'atome, de l'histoire de l'idée d'atome, et essayer de vous montrer que ce qu'on appelle un atome aujourd'hui, ce que les physiciens appellent un atome, en effet, n'a aucune des propriétés que les philosophes grecs de l'Antiquité avaient imaginées en inventant le mot d'atome, qui en grec signifie insécable, qui ne peut pas être coupé. Et donc on pourrait dire, au vu de cette rapide conclusion, que les philosophes grecs se sont trompés. En fait, ce que je vais vous montrer, c'est que c'est pas aussi simple, et qu'en fait, c'est parce qu'ils ont inventé le concept d'atome, c'est-à-dire l'idée d'un objet dont aujourd'hui nous savons qu'il n'existe pas, qu'un débat a commencé, qui va durer pendant plusieurs siècles et même pendant plusieurs millénaires, à l'issue duquel on a pu découvrir expérimentalement un objet qu'on appelle l'atome, qu'on n'aurait pas cherché si les Grecs ne l'avaient pas pensé.
la morale de l'histoire, je vous la donne à l'avance, mais je vais essayer de l'étayer dans mon propos, c'est que finalement, les choses qui n'existent pas pour rien. Voilà. Elles sont très utiles au sens où elles mettent en route la pensée, et c'est ce cheminement de la pensée qui permet de faire des découvertes qui, la plupart du temps, sont des surprises. On découvre des choses qui sont différentes de celles qu'on avait imaginées. Alors, dans beaucoup de livres, on dit finalement, on s'est posé la question au 5e siècle après Jésus-Christ, avant Jésus-Christ, pardon, on s'est posé la question de la divisibilité de la matière. Je prends un morceau de matière, je le coupe en deux, je récupère une moitié, je la coupe en deux, etc., etc. Et la question est, est-ce que je pourrais indéfiniment couper cette matière ou est-ce qu'il y a un moment où je tomberai sur un morceau de matière qui sera impossible à couper, autrement dit, qui sera insécable. Et souvent, on présente l'idée d'atome comme étant le résultat de cette démarche intellectuelle. Ceux qui pensent que la matière n'est pas divisible à l'infini pensent qu'il doit y avoir des atomes, c'est-à-dire des objets insécables. En fait, quand on relit les textes des philosophes de l'Antiquité, je parle des Grecs, on voit que cette question n'est jamais posée. Ce serait une histoire vraiment trop longue à raconter. Je vais simplement donner quelques petits éléments en commençant par citer un philosophe qui s'appelle Parménide, qu'on présente parfois comme le père de la philosophie, qui a écrit des phrases qui ont secoué les esprits, qui ont en quelque sorte coupé l'histoire en deux. Il y a un avant et un après. Par exemple, cette phrase, « L'être est, le non-être n'est pas. » Ça semble être une évidence. Et il pose la question de savoir ce qui est, qu'est-ce qui existe. Donc il y a des choses qui existent, il y a des choses qui n'existent pas. Il faut faire la séparation entre les deux. Et il ajoute, ne peut être pensé que ce qui est. Ce qui n'est pas ne peut pas être pensé. C'est un peu contradictoire d'ailleurs avec la phrase d'avant, puisqu'il a pensé le non-être. Mais en gros, son idée, c'est que le non-être, le néant, le rien, sont des choses qui cessent d'être elles-mêmes dès qu'on les pense. Par exemple, quand j'imagine ce qu'est le néant, l'absence de toute chose, que je le veuille ou non, mon entendement va transformer cette absence de toute chose en quelque chose de particulier. Je vais imaginer que le néant est doté d'une certaine spatialité, d'une certaine matérialité, d'une certaine substantialité, qu'en tant que néant, il ne peut pas avoir, puisque le néant, c'est rien. Autrement dit, penser le néant, penser le rien, ça n'est jamais penser à rien. Et pour le dire comme Bergson, l'idée de néant est une idée destructrice d'elle-même. Destructrice d'elle-même. Quand vous y pensez, vous détruisez l'idée que vous pensez. Et ce que dit Parménide, finalement, c'est que l'être, ce qu'il appelle l'être, c'est compact. L'être est toujours identique à lui-même. Il n'y a pas de trou à l'intérieur. Il n'a pas d'histoire. Il a toujours été là. Et c'est en gros ce à quoi se résument les quelques fragments que je viens de rappeler. Mais un peu plus tard, il y a un autre philosophe qui s'appelle Démocrite, qui vit à Abdère, qui va contester la thèse de Démocrite. Alors, on ne sait pas trop quels sont ses arguments, parce qu'il a écrit 80 livres, mais on a tout perdu, on n'a que quelques fragments qui demeurent, une centaine, je crois. Et par exemple, il dit « Le non-être n'existe pas moins que l'être. » Ce qui est le contraire de la phrase de Parménide. « Le non-être n'existe pas moins que l'être. » Autrement dit, l'être et le non-être existent pareillement. Et pour le dire en termes modernes, Démocrite va séparer la matière de l'espace. Il va inventer le concept d'atome, c'est l'être, l'être c'est des atomes. Le non-être, c'est le vide dans l'espace qui sépare les atomes. Et il va, en quelque sorte, inventer une thèse philosophique selon laquelle le monde, la nature, la matière, est constitué d'atomes séparés par du vide. Le vide, c'est un espace, pour le dire en termes modernes, avec rien à l'intérieur. Atomes et vide. Et cette thèse va être assez rapidement contestée par Aristote. Et comme vous le savez, Aristote va faire autorité pendant des siècles. L'argument d'Aristote, c'est que le vide, il n'a rien contre l'atome, mais il a beaucoup de choses contre le vide. Il pense que le vide ne peut pas exister parce que, selon lui, les corps ne pourraient pas se déplacer dans le vide.
Pourquoi ? Parce que, selon lui, pour qu'un corps soit mis en mouvement, il faut qu'il subisse une force. Or, dans le vide, il n'y a pas de force, par définition. Et donc, les corps ne peuvent pas se déplacer. C'est un des arguments, il y en a d'autres que je ne vais pas évoquer. Alors que pour les atomistes, comme Démocrite, c'est le contraire. Pour qu'il y ait mouvement, il faut qu'il y ait du vide. L'autorité d'Aristote va être telle que l'atomisme est une thèse qui, non pas va disparaître, mais va être toujours secondarisée par rapport à la thèse principale que défend Aristote. Il y aura plusieurs occasions où l'atomisme renaîtra, plus ou moins. Beaucoup d'autres occasions, il sera critiqué, parfois même condamné. Par exemple, au Concile de Trente, qui s'est tenu en 1563, l'Église catholique a condamné l'atomisme, toute référence à l'atomisme, au nom de l'Eucharistie, avec l'idée que quand il y a l'Eucharistie, eh bien, un morceau de pain, l'hostie, devient le corps du Christ, après bénédiction du fameux morceau par le prêtre. Et pour un atomiste, c'est pas possible. Si un morceau de pain est constitué d'atomes de pain, et si après la bénédiction du prêtre, le morceau de pain continue à ressembler à un morceau de pain, ce qui est le cas, eh bien, c'est qu'il est toujours fait d'atomes de pain. Il ne s'est donc pas transformé en le corps du Christ. Il ne peut pas y avoir eu de transsubstantiation du pain qui deviendrait la chair du Christ. Donc l'atomisme était plutôt mal vu et ça a évidemment rendu difficile les arguments des scientifiques qui essayaient de le réhabiliter. J'ai évidemment pas le temps de raconter toutes les étapes de cette histoire, mais je vais en signaler quelques-unes qui ont constitué des points importants vers la démonstration de l'existence des atomes. En fait, entre l'idée d'atome et la démonstration expérimentale que des objets qu'on appelle atomes existent, il s'est quand même passé 2500 ans. Deux millénaires et demi. C'est-à-dire que les débats scientifiques ou philosophiques, en l'occurrence, sont des débats qui peuvent prendre beaucoup de temps avant qu'on trouve le moyen de les trancher d'une façon définitive. Il y a un épisode qui a été très très important au XIXe siècle. Au XIXe siècle, la physique moderne est déjà bien constituée. On est après Galilée, après Newton. La mécanique est formalisée sous forme mathématique d'une façon très élégante. La gravitation est décrite par la théorie de la gravitation universelle de Newton. Les prédictions de la mécanique, aussi bien que celles de la gravitation décrites par Newton, sont vérifiées par l'observation. On voit le mouvement des planètes. Elles ont des trajectoires qui sont celles qu'on peut calculer. Quand, par exemple, on voit une planète qui n'a pas exactement la trajectoire qui a été calculée, ce qui est le cas de la planète Uranus, dans les années 1840, on regarde la trajectoire d'Uranus et on voit qu'Uranus, certes, tourne autour du Soleil selon une trajectoire elliptique, comme prévu par Newton, mais il y a un petit décalage entre l'observation et le calcul à partir des équations de Newton. Eh bien, les astronomes comme Arago, Le Verrier, se disent « Il doit exister une planète qu'on n'a jamais vue qui agit gravitationnellement sur Uranus, de sorte qu'elle est responsable, cette planète, par l'effet qu'elle a sur Uranus, du petit écart qui est constaté. On calcule la trajectoire que devrait avoir cette planète. Un astronome allemand qui s'appelle Gall pointe sa lunette un soir, la nuit, à l'endroit indiqué, voit un point lumineux, passe la nuit à vérifier que ce point lumineux se déplace, et donc pas une étoile fixe, mais une planète, et annonce le lendemain matin la découverte d'une nouvelle planète qui s'appelle Neptune. Donc, le fait qu'une théorie physique permette de prédire l'existence d'objets qu'on n'a jamais vus, en l'occurrence une planète, fait qu'on a une confiance très forte dans les principes de cette théorie. Simplement, dans le même temps, des ingénieurs font des expériences sur des machines, mesurent des rendements, notamment sur des machines à vapeur, étudie la façon dont la chaleur se déplace d'un corps à un autre, et peu à peu fonde une nouvelle physique
qui va s'appeler la thermodynamique. La thermodynamique. Et à partir de 1850, cette thermodynamique se dit par des équations mathématiques, comme se dit la mécanique. Mais assez rapidement, on va se rendre compte que le statut des équations de la mécanique de Newton n'est pas du tout le même que le statut des équations de la thermodynamique. Pourquoi ? Quand vous prenez les équations de Newton de la mécanique, et en fait c'est vrai pour toutes les équations fondamentales de la physique, vous savez qu'on représente le temps par un paramètre qu'on appelle petit t. T, c'est le temps. C'est Newton qui a inventé cette notation, et on retrouve cette notation dans les équations qui décrivent la dynamique des corps sous l'effet d'une force. Et il se passe un truc assez étrange, c'est que si dans l'équation, vous remplacez t, le temps, par son opposé, moins t, l'équation reste la même. C'est les mêmes équations que le temps s'écoule du passé vers le futur ou du futur vers le passé. Alors le fait que les équations de la mécanique soient invariantes, comme on dit, quand on change le signe de la variable t, ne signifie pas qu'on peut voyager dans le temps ou retourner dans le passé. Non, ça signifie que tous les phénomènes physiques que décrit cette équation doivent être réversibles. Réversible, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si un système physique peut aller d'un état initial petit a vers un état final petit b, alors il doit pouvoir aller de l'état final petit b jusqu'à son état initial petit a. Autrement dit, son évolution peut se passer dans les deux sens. Il peut retrouver dans son futur un état physique qu'il a connu dans son passé. C'est assez bizarre. Parce que dans la vie de tous les jours, on voit rarement ça. On voit toutes sortes de phénomènes qui sont irréversibles. Par exemple, le matin, si vous mettez du lait dans votre café, ça fait du café au lait. Vous pouvez attendre aussi longtemps que vous voulez. Vous ne retrouverez jamais dans le futur l'état initial, c'est-à-dire d'un côté le lait, de l'autre côté le café. Donc l'évolution de ce système, elle est irréversible, contrairement à ce que les équations de Newton impliquent. Alors que les équations de la thermodynamique, quand vous changez T en moins T dans ces équations, les équations ne sont plus invariantes. Autrement dit, les phénomènes physiques que décrit la thermodynamique ne sont pas réversibles. Ils ne peuvent pas se dérouler dans les deux sens. Ça tient à une propriété très particulière de la chaleur. Comme vous le savez, la chaleur ne peut aller que du chaud vers le froid. Donc si je filme, pour résumer, un phénomène mécanique, par exemple, je filme une collision de deux boules de billard. Voilà, il y a deux boules de billard qui se sont percutées sur la table. Je les ai filmées. Je passe le film à l'envers sur un écran. Le phénomène physique que je vais voir à l'écran est différent du phénomène que j'ai filmé, parce que les vitesses ont été inversées. Les directions incidentes et finales ont été interchangées. Et donc, l'inverse temporelle du phénomène que j'ai filmé n'est pas identique au phénomène que j'ai filmé. Mais ce que disent les équations de Newton, c'est que ce que je vois à l'écran est aussi physique que ce que j'ai filmé. Autrement dit, je pourrais, sur ma table, reproduire dans le réel le film qui a été projeté à l'envers. Donc la collision inverse est aussi possible que la collision initiale. Alors que si je filme un phénomène dans lequel de la chaleur est échangée, je vous l'ai dit, je filme un processus dans lequel la chaleur va du chaud vers le froid. Je filme, je passe le film à l'envers. Ben, sur l'écran, je verrai un phénomène physique dans lequel la chaleur va du froid vers le chaud, chose qui est impossible à faire dans le réel. Comme la plupart des phénomènes auxquels nous assistons dans la vie de tous les jours sont irréversibles, beaucoup de gens, beaucoup de physiciens, des chimistes, des physico-chimistes, ont commencé à dire « c'est sûrement la thermodynamique qui est la vraie physique ».
Elle décrit des phénomènes irréversibles, comme sont les phénomènes que nous voyons dans la vie courante. Et la physique de Newton, bah, sans doute marche-t-elle pour les planètes, pour la gravitation. C'est une physique idéalisée, mais dans la vie concrète, elle est démentie par l'observation. Elle est contradictoire avec l'observation. Et ces gens ont constitué une interprétation de la physique qu'on appelle l'énergétisme. Alors le leader de cette école de pensée s'appelait Oswald, un Allemand qui était chimiste, et ils ont défendu l'idée que la vraie science, la vraie physique, c'est la thermo, la mécanique étant une sorte d'artefact qui est condamné à disparaître et qu'il ne faut pas prendre au sérieux. Et ces gens ont été largement majoritaires. Mais à Vienne, il y avait un très grand physicien qui s'appelait Ludwig Boltzmann. Boltzmann, c'est certainement un nom que vous avez déjà entendu. Boltzmann était donc professeur de physique théorique à Vienne. Et Boltzmann, il se souvenait de Galilée. Il se souvenait que Galilée, qui a inventé ce qu'on appelle la physique moderne, avait compris que l'observation des phénomènes, quand on la lit de façon trop directe, nous trompe. C'est-à-dire que les vraies lois physiques sont des lois qui contredisent l'observation. Très souvent, on dit la physique décrit le réel. Elle décrit les phénomènes tels qu'ils se déroulent, ou tels qu'on voit les phénomènes se dérouler. Mais Galilée dit non, non, non. Les lois physiques sont des lois qui contredisent l'observation. Et qui, en fait, si on les prend au sérieux, obligent à réinterpréter l'observation pour qu'on comprenne comment des lois qui la contredisent l'expliquent quand même. Je vous donne un exemple. Aristote, comme tout le monde, avait remarqué de loin, sans vraiment faire d'expérience, simplement en regardant, que les grosses pierres tombent plus vite que les petites pierres. Il en déduit qu'un corps tombe d'autant plus vite qu'il est plus lourd. Il écrit même un texte dans lequel il dit « La vitesse de chute d'un corps est proportionnelle à sa masse. Plus c'est lourd, plus ça tombe vite. » Et même cette phrase, vous voyez, elle est quand même bizarre. Prenez un rocher qui pèse, disons, 10 000 fois plus qu'un caillou. Si vous laissez tomber en même temps le rocher et le caillou, est-ce que vous êtes vraiment sûr que le rocher va tomber 10 000 fois plus vite que le caillou ? Ou 100 000 fois plus vite s'il est 100 000 fois plus lourd ? Cette loi paraît bizarre, mais c'est Aristote. On ne contredit pas Aristote. Et on va enseigner pendant des siècles que la vitesse de chute d'un corps dépend de façon proportionnelle de sa masse. Galilée, lui, se dit, mais est-ce que cette loi est vraie ? Est-ce que cette loi est vraiment vraie ? Elle est en gros conforme à l'observation, mais est-ce qu'elle est vraie ? Et Galilée va inventer quelque chose de crucial pour la suite de l'histoire, ce qu'on appelle des expériences de pensée. Une expérience de pensée, c'est une expérience que vous ne faites pas dans un laboratoire, vous la faites dans votre esprit. Vous imaginez, en posant une hypothèse, que les choses se déroulent comme ceci ou comme cela, et ensuite vous voyez comment les hypothèses que vous avez ainsi formulées se déploient dans des conditions autres que celles que vous pouvez faire en laboratoire. Vous posez des questions du type « qu'est-ce qui se passerait si ?» Et à l'époque de Galilée, on pense que le vide n'existe pas, et d'ailleurs, on ne peut pas le réaliser, donc les gens pensent que le vide n'existe pas. Mais Galilée se dit « si le vide existait, hypothèse, alors le mouvement des corps dans le vide serait certainement plus simple. » Et il a l'intuition que dans le vide, les lois du mouvement seraient tellement simples qu'on pourrait les décrire mathématiquement de façon élémentaire. Et il démontre surtout que la loi d'Aristote de la chute des corps ne peut pas être vraie. Il est impossible qu'elle soit vraie, bien qu'elle soit conforme à l'observation. Alors comment est-ce qu'il le démontre ? Par une expérience de pensée. Il fait l'hypothèse qu'Aristote a raison quand il dit qu'une grosse pierre tombe plus vite qu'une petite pierre. C'est l'hypothèse.
Mais l'expérience de pensée à laquelle il a recours consiste à imaginer, sans le faire, il imagine, qu'on relie la grosse pierre à la petite pierre par une ficelle. C'est l'hypothèse. Ensuite, on se dit, qu'est-ce qui va se passer si je laisse tomber la grosse pierre reliée à la petite pierre d'une certaine hauteur, en supposant qu'Aristote a raison. Aristote, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire la grosse pierre plus la petite pierre est plus lourde que la grosse pierre toute seule. Donc l'ensemble formé par les deux pierres va tomber plus vite que la grosse pierre toute seule. Vous êtes d'accord avec cette conclusion? Oui, mais en même temps, la petite pierre, comme elle tombe moins vite que la grosse, elle va tendre la corde et faire parachute. Donc la petite pierre va freiner la chute de la grosse pierre qui du coup va tomber moins vite. Conclusion de cette expérience de pensée qui ne réclame pas qu'on fasse expérience, qui réclame simplement qu'on réfléchisse. Conclusion de l'expérience de pensée, le système formé par les deux pierres tombe plus vite que la grosse pierre et tombe moins vite que la grosse pierre. Il y a une contradiction. Comment éliminer la contradiction en disant la grosse pierre tombe à la même vitesse que la petite pierre? Ce qui n'est pas ce que nous voyons. Ça, c'est l'invention de la première loi de la physique moderne. Il va dire la vitesse de chute est proportionnelle à la durée de la chute quand les corps tombent dans le vide. La masse ne joue aucun rôle. Tous les objets, quelle que soit leur masse, tombent à la même vitesse. Donc un corps qui tombe depuis 2 secondes va 2 fois plus vite qu'un corps qui tombe depuis 1 seconde. Il va, s'il tombe depuis 10 secondes, il va 10 fois plus vite qu'un corps qui tombe depuis 1 seconde, quelle que soit la nature du corps. Et ça oblige, évidemment, si vous croyez à cette loi, à réinterpréter l'observation et à dire que quand les corps tombent ailleurs que dans le vide, il y a la gravité qui les fait tomber tous de la même façon, mais il y a d'autres forces qui sont liées au fait que vous n'êtes pas dans le vide, mais par exemple dans l'air, la résistance de l'air, la poussée d'Archimède, qui sont responsables, et seulement elles, des différences de vitesse que vous observez. Autrement dit, l'erreur d'Aristote était d'avoir fait porter à la gravitation des effets qui ne viennent pas d'elle. Mais Boltzmann, il se souvient de ça. Il se souvient qu'une théorie physique peut contredire l'observation. Et donc, ce n'est pas parce que les équations de la mécanique sont réversibles et que les phénomènes qu'on voit sont irréversibles qu'il faut immédiatement en déduire que les équations de la mécanique sont fausses. Puisqu'une théorie physique peut contredire l'observation au premier regard. Et Boltzmann va faire un calcul absolument extraordinaire dans lequel il va supposer que la matière, notamment les gaz, est constituée d'atomes. À une époque où la plupart des physiciens ne croient pas à l'existence de l'atome. Mais lui, il fait une expérience de pensée. Imaginons que la matière soit faite d'atomes, notamment les gaz. Et il va décrire le mouvement des atomes dans les gaz en utilisant les équations Newton de la mécanique, qui sont réversibles. Évidemment, dans un gaz, il y a un tellement grand nombre d'atomes qu'il ne peut pas faire le calcul des trajectoires individuelles de chaque atome. Donc il va avoir recours à ce qu'on appelle la physique statistique. Il va mettre les atomes en groupe, etc. Et il va montrer, mathématiquement, qu'on peut déduire les équations de la thermodynamique qui sont irréversibles, des équations de la mécanique qui sont réversibles. Autrement dit, l'irréversibilité que nous constatons ne viendrait pas du fait que les lois physiques sont irréversibles, mais du fait que les corps macroscopiques de grande taille sont constitués d'un grand nombre d'atomes. Et donc c'est la complexité des systèmes qui rendrait leur comportement irréversible et non pas les lois physiques qui les pilotent. On va lui tomber dessus, évidemment,
au motif que personne n'a jamais vu d'atome, que ce sont des idéalités métaphysiques complètement arbitraires. La physique doit décrire le réel tel qu'il se donne à nous, en s'interdisant de faire des hypothèses audacieuses qu'aucune expérience ne permet de vérifier. D'accord ? Et cette querelle, cette controverse, comme on dirait aujourd'hui, a été extrêmement violente, et surtout à la fin du XIXe siècle. Et Boltzmann, qui était, disons, fragile psychologiquement, fatigué, il n'était pas fait pour la bagarre, comme vous le savez sans doute, a fini par se suicider au mois de septembre 1906 à Trieste, en Italie. Deux mois avant qu'on démontre expérimentalement l'existence de l'atome. Alors comment ça s'est fait ? Il se trouve que Einstein, qui joue un rôle important dans cette affaire, il était atomiste. Einstein, il pensait que l'atome existe. Il en était persuadé. Mais il pensait que la controverse entre Boltzmann et les énergétistes était stérile. Elle ne pourrait jamais aboutir parce qu'on n'avait pas d'arguments expérimentaux. Et donc il s'est intéressé, ou réintéressé plutôt, à un phénomène qui avait été mis en évidence par un botaniste en 1827, pardon, un botaniste qui s'appelait Brown. Et Brown, il s'amusait à faire flotter des grains de pollen dans un liquide plus ou moins chaud, de l'eau, du thé, etc. Et il observait le mouvement des grains de pollen au microscope. Et il a vu que les grains de pollen avaient un mouvement complètement désordonné, en zigzag. Ils avancent un petit coup à gauche, puis un coup à droite, etc. Et on ne sait pas très bien quel est le moteur de cette dynamique erratique. Après, il a essayé avec d'autres particules que les grains de pollen, notamment des particules minérales, parce qu'on aurait pu penser que les grains de pollen étaient vivants et se livraient à une sorte de natation improvisée dans le liquide. Et donc, il change les trucs, il regarde au microscope et il voit que, quelle que soit la nature de ces particules, il y a ce mouvement qu'on appelle brownien, en hommage à son nom, qui se développe sans qu'on comprenne bien la source de cette dynamique. Et Einstein s'intéresse à ça en 1905, et il a l'idée, géniale, que les grains de pollen, en l'occurrence, peuvent servir d'intermédiaire entre le monde visible et le monde invisible. Les grains de pollen, on peut les voir au microscope, donc ils font partie du monde visible. Mais l'hypothèse d'Einstein, c'est que la dynamique par laquelle il se déplace est invisible. Et il fait l'hypothèse toute bête que l'eau dans laquelle on trempe ces grains de pollen est faite de molécules d'eau. L'eau est faite de molécules d'eau qui subissent une agitation thermique qui fait que ces molécules vont dans tous les sens. Les grains de pollen, ils sont beaucoup plus gros que les molécules. Donc si je prends un grain de pollen à l'instant T, il va être heurté par des molécules d'eau un peu dans tous les sens. La résultante de toutes ces forces ne sera pas forcément nulle. Donc le grain de pollen va subir une force qui va le déplacer, par exemple, dans cette direction. Puis un instant plus tard, c'est d'autres molécules d'eau qui vont le heurter. Leur résultante, ou la résultante de leur force, ne sera pas nulle. Elles vont se déplacer dans un autre sens, etc. Ce qui expliquerait le mouvement erratique observé. Autrement dit, c'est l'agitation cacher des molécules qui est responsable du mouvement erratique des grains de pollen. Einstein fait des calculs, il calcule ce qu'on appelle une loi de diffusion, peu importe. Et il y a un physicien français qui s'appelle Jean Perrin, créateur du Palais de la Découverte un peu plus tard, dont certains des animateurs sont présents à cette manifestation. Jean Perrin, lui, s'intéresse déjà au mouvement brownien. Il lit le papier d'Einstein. Et il vérifie expérimentalement que la loi de diffusion qu'Einstein a calculée en se basant sur l'hypothèse que l'eau est faite de molécules d'eau, cette loi de diffusion, elle est vérifiée expérimentalement. Et ça, c'est la démonstration expérimentale que les atomes existent, les molécules ou les atomes. À ce niveau-là de la discussion, c'est la même chose. Et les gens se disent, ben voilà, on a découvert l'atome des Grecs. On a découvert une entité microscopique insécable. C'est des grains de matière.
on va les appeler des atomes. Et à cette époque-là, il suffit de lire les textes, les gens, les physiciens, pensent vraiment que les atomes sont des objets compacts, sans vide à l'intérieur, une espèce de boule de matière microscopique. Et après cette découverte fondamentale, évidemment, l'histoire va s'accélérer. Dès 1909, on bombarde une plaque d'or ou d'un autre métal avec des particules alpha. Et je n'ai pas le temps de raconter, mais cette expérience qui a été faite par Rutherford montre que l'atome n'est pas insécable. Il viole son étymologie. Il est composite. Il y a un noyau, très petit, quelques 10 puissance moins 15 mètres, autour duquel tournent des électrons. Pour l'hydrogène, il y a un électron, pour l'hélium, il y en a deux, pour l'uranium, il y en a 92, etc. Et donc, on a une idée de l'atome qui est finalement celle d'un système planétaire microscopique. Un système solaire que vous connaissez bien, il y a le Soleil et les planètes qui tournent autour. Là, il y aurait le noyau avec des électrons qui tournent autour. La force qui relie les planètes au Soleil, c'est la gravitation. La force qui relie les électrons au noyau, c'est la force électromagnétique. Les électrons ont une charge négative, le noyau a une charge positive, donc ça s'attire. Et finalement, l'atome est une sorte de système solaire microscopique. Ça, c'est à peu près 1909-10. Et puis là, l'histoire s'emballe parce que l'atome va devenir un laboratoire. On va étudier l'atome et on va découvrir que les lois physiques qui règnent dans l'atome ne sont pas du tout les mêmes que celles qui règnent dans le système solaire. Autrement dit, l'atome va servir de porte d'entrée vers un nouveau monde dans lequel les lois physiques ne sont pas celles qu'on avait utilisées jusqu'alors. Ça va être la naissance, qui avait commencé un peu plus tôt, pour d'autres problèmes, de ce qu'on appelle aujourd'hui la physique quantique. La physique quantique. Les électrons qui tournent autour des noyaux ne peuvent pas avoir n'importe quelle trajectoire. Les échanges d'énergie entre la matière et le rayonnement sont discontinus. Ce n'est pas du tout ce qu'on pensait avant. Et donc, la physique quantique va se tester finalement grâce au fait qu'on peut étudier par la spectroscopie les déplacements d'atomes, les situations dans lesquelles un atome va sauter d'une orbite autour du noyau vers une autre orbite, etc. Mais ce qui est plus intéressant, c'est le noyau. Qu'est-ce qu'il y a dans le noyau ? Les gens disent, dans le noyau, il y a des protons de charge positive. Et puis, je me dépêche, ils disent qu'il y a des protons de charge positive. Mais assez rapidement, on se rend compte que la masse d'un noyau, c'est un nombre entier de fois la masse d'un proton. Mais c'est plus grand que la somme des masses des protons. Autrement dit, quand on prend la masse d'un noyau, on soustrait à cette masse la somme des masses des protons qui le constituent, on ne trouve pas zéro. Donc les gens disent qu'il doit y avoir des particules de même masse que le proton dans le noyau qui n'ont pas de charge électrique. Et ils vont les appeler, ces particules, des protons neutres. Des protons neutres. Donc ils vont se dire, voilà, un noyau, c'est Z, nombre entier, Z protons, plus un certain nombre de protons neutres. À l'époque, qu'est-ce qu'on connaissait comme particules élémentaires ? Le proton et l'électron. Et les gens voyaient que certains atomes, qu'on appelle radioactifs, sont capables de temps en temps d'émettre un électron. Il y a un électron qui sort. Et ça change l'élément chimique du noyau correspondant. Les gens se sont dit, les protons neutres, comme l'électron a une masse très faible par rapport à celle du proton, ils se sont dit, les protons neutres, c'est un agglomérat d'un proton et d'un électron. Donc un noyau, c'est des protons tout seuls, plus des protons qui sont associés à des électrons, de sorte que leur charge électrique est nulle. On les appelle des protons neutres. Et leur argument était assez simple, en fait. C'est ce que moi j'appelle l'argument dentifrice. Quand vous appuyez le matin et le soir sur votre tube de dentifrice pour faire sortir de la pâte, vous appuyez, il y a de la pâte qui sort.
Ben vous dites, sans même vous poser la question d'ailleurs, la pâte qui sort du tube, elle était déjà dans le tube avant de sortir. D'une façon générale, quand vous voyez sortir un truc d'un machin, c'est que le truc était dans le machin avant de sortir. Hein ? Et puis en 1932, découverte, on découvre ce qu'on appelle le neutron. Et le neutron, il apparaît comme étant ni plus ni moins élémentaire que le proton. Voilà, le proton, le neutron, c'est presque élémentaire comme le proton. Donc le proton neutre, qu'on appelait le proton neutre, ce n'est pas un proton électron, c'est un neutron. Et quand on voit un électron qui sort d'un noyau, il faut imaginer que l'électron ne préexiste pas à son émission. C'est ça la radioactivité bêta, c'est-à-dire que un neutron se transforme en proton avec émission d'un électron. Et c'est la transformation du neutron en proton qui fait sortir l'électron qui ne préexistait pas à cette expulsion. Donc voilà, le noyau plus l'atome vont servir de laboratoire de physique entre le début du XXe siècle et aujourd'hui. C'est en étudiant les atomes et leurs noyaux qu'on découvre des nouvelles forces, comme les forces nucléaires, etc. C'est le début d'une longue histoire. Mais le point important, c'est que l'atome d'aujourd'hui, tel qu'on le comprend, n'a absolument aucune des propriétés que les Grecs avaient imaginées. J'ai dit qu'il n'était pas insécable. Les Grecs pensaient que l'atome ne contenait pas de vide. En fait, entre les électrons qui tournent autour du noyau et le noyau, il y a du vide. En fait, c'est un vide qui n'est pas vide. Ce qu'on appelle le vide quantique, contient des particules virtuelles. Enfin, c'est tout un monde. Et puis, les Grecs pensaient que les atomes étaient éternels. Ils n'avaient pas de naissance, ils ont toujours été là. Et ils n'ont pas de mort, ils sont éternels, ni début ni fin. Nous savons aujourd'hui que les atomes n'ont pas toujours été là. Les plus légers ont été formés par des interactions nucléaires dans les trois premières minutes qui ont suivi le Big Bang. Les plus lourds, entre, disons, le lithium et le fer, sont fabriqués dans des étoiles comme le Soleil. Et les plus lourds, du fer jusqu'à l'uranium, sont fabriqués dans des explosions d'étoiles qu'on appelle des supernovas. D'accord ? Donc les atomes ont une origine, ils n'ont pas toujours été là. Et puis certains d'entre eux ne sont pas du tout immortels puisqu'ils sont radioactifs. Ils sont formés, je parle de leur noyau, avec un excédent d'énergie. Et un jour ou l'autre, ils vont devoir expulser cette énergie en émettant des particules alpha, bêta, électrons, gamma, c'est les différents types de radioactivité, pour se débarrasser du trop-plein d'énergie qu'ils avaient accumulé au moment de leur formation dans les étoiles ou ailleurs. Tout ça pour dire que... Ben voilà, c'est tout. Voilà. Tout ça pour dire que j'attends les questions de Daniel. Quelle conclusion ! Viens donc t'asseoir, Étienne. On va prendre le micro. Voilà. Nous allons effectivement prendre les questions. C'était absolument passionnant. Alors, je pose la première question. Préparez-vous, parce que les suivantes, c'est vous qui allez devoir les poser. Il y a des personnes pour vous apporter les micros. Vous n'avez qu'à lever la main et un micro vous sera apporté. Dans cette histoire, est-ce que par la suite, on a découvert encore plus petit que ce neutron, ce proton, cet électron? Est-ce qu'on est sûr d'avoir trouvé la particule élémentaire, le plus petit élément qui constitue notre matière? Alors, je vais répondre à la question, mais avant, je bois un verre d'eau. Ah oui. Et... Non, mais quand on boit un verre d'eau, par exemple, c'est un geste assez banal. Les molécules d'eau sont constituées d'oxygène et d'hydrogène. Il faut quand même imaginer, quand vous buvez un verre d'eau, que tous les atomes d'hydrogène qui sont dans le verre d'eau ont été formés dans les trois premières minutes après le Big Bang. D'accord ? Donc les atomes qui sont là, ils ont 13,7 milliards d'années. Et tous les atomes d'oxygène, qui sont là, ils sont là depuis 5 milliards d'années. Ils ont été fabriqués dans une explosion d'étoiles. Donc quand vous buvez un verre d'eau, en fait, vous buvez une trace de l'univers primordial, l'hydrogène, et un résidu de fournaise stellaire, l'oxygène. D'accord ? Et je trouve que ça change un peu l'histoire, plutôt que de considérer qu'on boit de la flotte, quoi.
La flotte, c'est quand même pas n'importe quoi. Ça marche aussi avec les atomes qui nous constituent. Absolument, hein, tous les atomes qui nous constituent ont une naissance qui correspond à l'une des trois phases que j'ai évoquées. Interaction nucléaire dans les étoiles, univers primordial ou explosion d'étoiles. Nous sommes des poussières d'étoiles. Alors, évidemment, j'ai pas eu le temps de finir l'histoire, parce que raconter une histoire de 2500 ans en 45 minutes, c'est pas évident. Mais moi, je me suis arrêté dans ce que je vous ai raconté en 1932. Mais après, en effet, on a découvert d'autres particules élémentaires que l'électron, le proton, le neutron. Et puis, on a découvert que le proton et le neutron ne sont pas élémentaires. Eux-mêmes sont composites. Ils sont formés de quarks qui interagissent entre eux en échangeant des particules. On a découvert que les forces qui agissent dans la matière, je ne parle pas de la gravitation, mais je parle des forces électromagnétiques nucléaires, se font d'une façon très surprenante, prédite par la mécanique quantique. Quand vous pensez à une force, par exemple, force de gravitation, ben vous avez l'impression qu'il y a le Soleil, par exemple, qui émet un champ de gravitation, il y a une force qui s'applique à d'autres objets. Voilà. La force correspond à un champ qui se développe dans l'espace, et les objets qui sont dans l'espace vont subir cette force. Et ce qu'on a compris, c'est que ce n'est pas vrai pour les forces nucléaires, ni pour les forces électromagnétiques. Quand deux particules interagissent, il ne faut pas imaginer qu'il y en a une qui exerce une force sur l'autre. En fait, elles échangent des particules. Interagir, c'est échanger des particules. On les appelle des particules virtuelles, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je peux donner une métaphore. Quand vous êtes sur un canal, par exemple, là, j'ai vu qu'il y en avait beaucoup au Havre, vous êtes sur une barque qui est sur l'eau du canal. Vous n'avez pas de rame, pas de pagaie, aucun moyen de vous déplacer, de changer la trajectoire de la barque. Puis en face de vous ou à côté de vous, il y a une autre barque qui arrive avec quelqu'un à bord. Et si vous ne faites rien, les deux barques vont se percuter. Qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez prendre n'importe quel objet massif, par exemple un ballon qui est dans la barque, et vous allez faire des passes avec la personne qui est sur l'autre barque. Et en échangeant un ballon de cette façon, vous verrez que ça constitue une force répulsive. Et qu'en faisant des passes successives, les deux barques, au lieu de se percuter, vont s'éloigner l'une de l'autre. Eh bien, c'est ça qu'on a compris pour les forces qui jouent dans l'atome, dans le noyau. Deux particules interagissent en échangeant des ballons qui sont la signature ou la marque de fabrique de l'interaction qui les lie. Donc, les ballons qui échangent les quarks dans les protons et neutrons, on les appelle des gluons. Les ballons qui échangent les particules qui subissent la radioactivité bêta, on les appelle des bosons intermédiaires, etc. Donc, ça change complètement notre façon de concevoir la force. Et les quarks, on pourrait dire les quarks, c'est des atomes. C'est les vrais atomes, en fait. C'est les grains de matière insécables. On s'est trompé quand on a appelé atomes les atomes parce qu'ils ne sont pas insécables, mais dans les atomes, il y a peut-être des objets insécables. Par exemple, les quarks. En fait, on n'en sait rien parce que pour voir l'intérieur des quarks, si ce mot a un sens, il faut des énergies qui permettent de sonder la matière beaucoup plus élevées que celles que nous avons. Donc, les quarks sont peut-être des particules élémentaires, vraiment élémentaires, mais de toute façon, leur comportement étant quantique, ne ressemble pas du tout à ce que les Grecs avaient imaginé. Donc moi, je pense qu'on peut dire que l'atome des Grecs n'existe pas. L'atome des Grecs n'existe pas. Mais c'est parce qu'ils l'ont pensé qu'on a découvert l'atome qui existe. Ça valait le coup, donc, d'imaginer quelque chose qui n'existe pas. Merci les Grecs. Pour aboutir à ce qui existe bel et bien. Allez, première question dans la salle. Levez-vous pour qu'on vous voie, celui qui a le micro. On vous écoute. Bonjour, tout d'abord, merci beaucoup. Ma question vient du côté non éternel de l'atome dont vous avez parlé. Est-ce qu'on peut en dire la même chose par rapport aux protons, aux électrons et donc aux quarks? Est-ce que, par exemple, les protons sont éternels? Et s'ils ne sont pas, est-ce que les quarks le sont, puisque le proton est fait de quarks? Est-ce qu'on a la preuve de ça? Alors, c'est une très bonne question, mais en fait, pour une particule, il y a plusieurs façons de disparaître. La première façon, c'est de se transmuter en une autre particule. Donc, par exemple, j'ai parlé du neutron tout à l'heure. Le neutron, il peut se transformer en proton. En fait, si vous prenez un neutron tout seul, au bout d'un quart d'heure, il n'est plus là. Enfin, la probabilité qu'il ne soit plus là est très grande, disons. Il se transforme en proton, électron et même neutrino
parce que la désintégration en question se fait en trois particules et non pas en deux, comme je l'ai dit. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la radioactivité. C'est le fait qu'une particule est par nature instable, elle est condamnée à se désintégrer en d'autres particules. Elle se transmute en autre chose qu'elle-même. Et puis, il y a dans les interactions des processus dans lesquels une particule devient une autre particule. La gravitation, qui est la force qu'on connaît tous, est une force qui agit sur la trajectoire des objets. Mais elle ne change pas la nature des objets. Enfin, par exemple, la Terre subit la force de gravitation de la part du Soleil, mais cette force ne change pas la nature de la Terre. Par contre, elle lui imprime une force qui détermine son mouvement. Alors que dans le monde des particules, bien, une force peut agir sur une particule pour la transformer, pour changer sa nature. Donc l'électron, pour reprendre votre exemple, l'électron, il peut se transformer dans certaines situations en un neutrino. Il devient un neutrino. Donc il change de nature. Mais ce que j'entends dans votre question, c'est plutôt est-ce que les quarks sont radioactifs? Est-ce que l'électron est radioactif? Est-ce qu'ils ont une durée de vie finie ou pas? Pour l'électron, on n'a jamais vu de tel phénomène. Pour les quarks non plus. Le neutron, j'ai répondu, c'est un quart d'heure. La durée de vie du neutron en moyenne, c'est un quart d'heure. D'ailleurs, j'ai une petite devinette. Je vous ai dit tout à l'heure, dans les noyaux, il y a des protons et des neutrons. Et je vous ai dit, les neutrons ont une durée de vie moyenne de 12 minutes. Quand vous prenez un neutron, au bout de 12 minutes, il se transforme en proton, électron, neutrino. Je vous ai dit aussi que nos atomes, nos noyaux, ont parfois des milliards d'années. Quand on les regarde, on voit qu'à l'intérieur, il y a des protons et des neutrons. Mais comment c'est possible? J'ai dit que les neutrons avaient une durée de vie de 12 minutes. Or, ils sont dans les noyaux depuis des milliards d'années. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans mon discours? Il y a une contradiction. Je vois vos têtes de loin. Vous voulez qu'on fasse circuler un micro pour avoir la réponse? Ça va être un peu long. Non, je vous donne la réponse. C'est qu'en fait, le proton est éternel. Pas éternel, il est immortel. Et le neutron, dans le noyau, il est éternel à temps partiel. Donc il est éternel. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Oui, concrètement. C'est que l'interaction nucléaire dans le noyau qui relie les protons et les neutrons, je vous l'ai dit, elle procède d'un échange de particules. Cette particule, on l'appelle le pion. Donc il faut imaginer que sans cesse, les protons et les neutrons échangent des pions. Mais parfois, cet échange de pions fait que le neutron devient un proton. Mais quand le neutron est un proton, il est immortel. D'accord ? Et donc, il faut imaginer que les neutrons dans le noyau, ils ne sont pas tout le temps des neutrons. Ils sont neutrons, puis protons, puis neutrons. Etc. Donc, ils sont immortels à temps partiel. D'accord. Et quand vous êtes immortel à temps partiel, si le rythme auquel vous changez de nature est plus long que la durée de vie de la particule en question, vous êtes immortel. Voilà, c'est un plan. Oui, reste plus qu'à faire. Alors, y a-t-il d'autres questions dans la salle? Là, vous les avez scotchées avec votre histoire d'éternel partiel. Il y a un micro quelque part. Je vois des mains qui se lèvent, je vois des gens qui circulent, mais je ne sais pas si... Voilà, un micro a trouvé son propriétaire. Bonjour. Bonjour. Comment connaît-on la masse d'un atome? Comment on pèse un atome? Comment est-ce qu'on pèse un atome? Comment on connaît la masse d'un atome? Il y a plein de méthodes. Par exemple, si vous êtes capable de compter le nombre d'atomes qui sont dans un corps, vous pesez le corps, vous divisez par le nombre d'atomes, ça vous donne la masse d'un atome. C'est aussi simple que ça? Avec une balance, oui. Ouais. Maintenant, si on veut le faire plus finement, c'est d'autres méthodes plus compliquées. Ouais. Mais aujourd'hui, on a des horloges atomiques. Claude Quentin-Gee, à l'école normale, réaliser même ce qu'on appelle des atomes froids. On refroidit les atomes et on peut, par exemple, les transformer dans un gaz avec des vitesses très faibles. On peut les faire tomber comme une fontaine, on peut les lancer en l'air, voir comment ils retombent, étudier leur trajectoire et donc avoir une précision très très grande sur leur masse.
Mais ça paraît incroyable, ça. On peut, c'est-à-dire on utilise quoi et comment on contrôle ce qu'on fait quand on manipule un atome ? Ben c'est ça la magie de la physique quantique, hein. C'est qu'on a, l'atome est un objet qu'on peut étudier maintenant individuellement, ouais. Individuellement. Et ça permet de le voir comme une sorte de laboratoire grâce auquel on peut tester les prédictions de modèles physiques, par exemple de théorie, avec une très très grande précision. Quoi. C'est ça qui est quand même hallucinant, c'est qu'en un siècle, entre la découverte de l'atome en 1906 et aujourd'hui, on a gagné des ordres et des ordres de grandeur sur la taille des objets qu'on est capable de détecter et d'étudier. Mmh. Hein ? Les quarks, c'est beaucoup plus petit que l'atome. Et c'est ce qui me fait dire que sans doute, il n'y a pas d'autre force dans la nature que celle qu'on a identifiée. On a gagné des ordres de grandeur sur la taille des objets qu'on étudie sans découvrir de force autre que celle qu'on connaissait déjà en 1932. Et donc, à mon avis, on a à cette échelle-là, en tout cas, on a bouclé l'affaire. Ce sera justement la thématique de la discussion qui suit avec Roland Lehoucq, les forces qui régissent la nature. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Je vois toujours des mains qui se lèvent. Est-ce que quelqu'un a un micro ? On vous écoute. Bonjour. Bonjour. Ouais, moi, j'aurais voulu savoir, c'est... j'ai vu dans mes études que la matière était, selon certains processus expérimentaux, un corpuscule et une onde dans d'autres procédures expérimentales. Au fond, qu'est-ce que ça veut dire ? Et j'ai une deuxième question qui est un peu bête, c'est ça veut dire quoi la physique quantique ? Ça veut dire quoi le mot quantique de physique ? Okay. Voilà, merci. Alors, vos questions ne sont pas bêtes du tout, parce que en fait... Personne ne sait y répondre. Non, c'est pas la deuxième, mais la première. La chose que vous évoquez, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on appelait, parce que le mot était abandonné, la dualité en corpuscule. La mécanique quantique, on y reviendra, vous dit qu'en fait, les particules sont tantôt des corpuscules, des petits grains de matière localisés dans l'espace, ayant une trajectoire bien définie, tantôt des ondes. Elles ont des comportements ondulatoires, elles font des interférences. Mais en fait... ce que dit la physique quantique, et on expliquera le mot tout à l'heure, c'est que les particules ne sont ni des ondes, ni des corpuscules. C'est autre chose qu'on n'arrive pas à se représenter, autrement que mathématiquement. Autrement dit, à chaque fois que vous dessinez un atome, faites un dessin. Par exemple, si je fais un dessin avec le noyau, que je dessine comme une framboise, avec en rouge les protons, en noir les neutrons, puis autour je mets des électrons, ben, y a des arguments de physique quantique qui viennent vous dire que ce dessin est faux. Il y a un truc qui ne va pas. Alors vous allez corriger, faire un autre dessin. Et il y aura un autre argument de physique quantique qui va dire ce dessin est faux. Autrement dit, c'est impossible de dessiner un atome de façon exacte parce que la façon de le regarder, de mesurer ses propriétés, va changer ses propriétés. Et le principe fondamental de la physique quantique, quantique ça vient du mot latin quantum, quanta au pluriel, ça a été un mot proposé par un physicien allemand qui s'appelle Max Planck, en 1900, avec l'idée que la matière et l'énergie, pardon, la matière et la lumière ne peuvent pas échanger de l'énergie n'importe comment, pas de façon continue. Je vous donne un exemple. Avant, quand on allait acheter du beurre, on demandait au marchand de beurre, je veux 250 grammes de beurre, par exemple, ou je veux 231 grammes de beurre. Donc, on pouvait acheter le beurre en n'importe quelle quantité. Et bien, ce qu'a dit Max Planck, c'est que ce n'est pas vrai pour la lumière. Quand vous voulez de la lumière, vous pouvez en avoir sous la forme d'une certaine quantité, un quantum, que vous ne pouvez pas réduire. Donc, par exemple, s'agissant du beurre, il faut imaginer que les quantas de beurre, ce serait, comme c'est le cas aujourd'hui d'ailleurs dans les supermarchés, 250 grammes. Donc, vous pouvez acheter 250 grammes, ou bien 500 grammes, ou bien 750 grammes, mais vous ne pouvez plus acheter 88 grammes de beurre. Autrement dit, les échanges de beurre entre producteurs et consommateurs se font sous forme de quanta de beurre de 250 grammes. Et Einstein est même allé plus loin en disant, dans la lumière, il y a des quantas de lumière. De même que, c'est comme s'il disait, le beurre ne peut exister que sous quanta de 250 grammes. Donc non seulement les échanges sont quantifiés, mais la lumière elle-même ou le beurre lui-même sont également quantifiés. Et le mot quantique vient de cette découverte. La première, celle de Planck, c'est 1900. Celle d'Einstein, c'est 1905.
et ça va changer complètement la façon de penser les objets physiques. Et je n'ai pas le temps de faire un cours, mais le principe fondamental de la physique quantique, il est super simple. Il est difficile à comprendre, mais il n'est pas difficile à énoncer. Vous avez parlé des ondes dans votre question. En fait, qu'est-ce que les ondes ont comme propriété fondamentale ? Je prends une onde électromagnétique. J'en prends une seconde, une deuxième. Je peux les ajouter l'une à l'autre. Une onde électromagnétique plus une autre onde électromagnétique, ça fait encore une onde électromagnétique. Et c'est vrai pour les vagues dans la mer. Une vague plus une vague, ça fait une autre vague. Donc les ondes, elles ont une propriété singulière qui est qu'elles sont capables de s'ajouter entre elles si elles sont de même nature. La somme de deux ondes de même nature est encore une onde. C'est ce qu'on appelle le principe de superposition. Et l'idée de la physique quantique, qui est une idée incroyable que les gens ont eue dans les années 1925, c'est de dire cette propriété des ondes, on va la généraliser à tous les systèmes physiques, quelle que soit leur nature, aux particules de matière, aux galaxies, n'importe, à la table, n'importe quoi. On va décider de décrire l'état des objets physiques en appliquant le principe de superposition. Ça veut dire quoi ? Je termine là-dessus. Si A et B sont deux états possibles d'une particule, par exemple, A, c'est la particule dans cette position. B, c'est la particule dans cette position. Donc la particule, elle peut être soit là, soit là. Ben, si elle peut être soit là, soit là, la physique quantique dit elle peut aussi être dans l'état A plus B. A plus B. Mais ça veut dire quoi A plus B ? On n'en sait rien. On ne sait pas le comprendre. Et ce que dit la mécanique quantique, c'est que si l'électron est dans l'état A plus B, et si je fais une mesure de sa position avec un appareil, j'ai une chance sur deux de la trouver dans A et une chance sur deux de la trouver dans B. Et si je la trouve dans A, ben je vais dire elle était dans A avant que je fasse la mesure. Ben non, la mécanique quantique vous dit avant elle était dans A plus B. Donc la mesure a changé l'état du système. Avant c'était A plus B, après c'est soit B. Donc la mesure n'est plus une opération passive. Le fait de mesurer la position de l'électron dans l'état A plus B change son état physique. C'est quoi ce truc-là ? Einstein, on en a parlé hier avec un aspect, Einstein dit c'est pas possible. Si la particule m'apparaît dans cette position, c'est qu'elle aurait été dans cette position même si je n'avais pas fait de mesure. C'est pas possible que la mesure change l'état du système. Ça a donné lieu à tout un débat entre Einstein et Bohr, dont la conclusion a été obtenue par Alain Aspect, voire sa conférence d'hier que je ne vais pas répéter. Par contre, si on veut continuer de vous écouter, là, vous avez un débat. Ça se passe où, Étienne Klein ? Toujours dans le cadre ? Au petit théâtre. Au petit théâtre. Quel est le sujet du débat ? Je ne sais pas. D'accord. Vous découvrirez. Je ne l'ai pas non plus. C'est bien. En tout cas, vous y allez l'esprit libre. Juste avant de vous saluer, je vous indique que juste après, là, ici, sur scène, dans 5 minutes, on reçoit l'astrophysicien Roland Lehoucq. Et là, je sais de quoi il va vous parler, des forces qui régissent la matière. Donc, on va continuer finalement un peu la discussion que nous avions avec Étienne Klein. Un grand merci à vous, Étienne Klein. Je vous demande de le remercier chaleureusement.